Alors, comme ça, c'est toi le déglingo qui veut prendre ma place de numéro 1 du top tendance YouTube. Numéro 1 ? Pauvre saltimbanque. Tu t'es pris pour un monsieur avec tes 200 abonnés ? C'est moi le boss final du rétro gaming. Toi, t'es plutôt du genre dernier de la classe. T'as un strabisme, mec. T'as les yeux qui se croisent. C'est pas 200, c'est 200 000. Mince, il m'a grillé. C'était pas une bonne idée d'avoir fait le tapin avec cette pub pour ce jeu de fils de pute qui est merde, Shadow Legend. J'ai l'air con maintenant avec mes 200 abonnés. Ordure, donne-moi tes abonnés. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Gameoni? T'es pas bien? T'as tes règles? Non, mon con, j'ai pas mes règles. C'est le sang de ta russe sur mes parties génitales. Oh, mais je vois que tu t'es acheté des couilles en solde sur AliExpress. Mais passons aux choses sérieuses. On va continuer à discuter, mais avec nos points. Je vois que tu veux faire ça à l'ancienne. Ça me plaît. Prépare-toi à bouffer tes morts. Ah, tu te la racontes moins là, hein? Fais voir ta face de cul à tonton Oni. Mais, je te reconnais, tu es Baby Bell. Baby Guy, crétin, Baby Guy, tu as encore beaucoup de chemin à faire dans le vidéo business. On se reverra, je t'attendrai au sommet de la YouTube Tower. Konnichiwa les core gamers, il n'y a pas que Baby Guy et moi qui nous foutons sur la gueule de manière énervée. Justement, comme on parle de drama, ça me rappelle un clash historique. Dualité tout en contraste. Dans cette histoire, tout n'est pas noir ou blanc. Et dans le mauvais, il y a du bon aussi. Je vous propose donc un flashback sur la manière dont s'est déroulée l'affaire Konami face à Hideo Kojima, le Yin versus le Yang. Si tout comme moi, les jeux de Kojima-san te font cracher la sauce à une vitesse qui dépasse celle du SSD de la PlayStation 5, alors tu es au bon endroit. On va donc s'articuler autour de trois chapitres bien distincts. En premier, une présentation rapide de Kojima-san. Pour tous les cancres du game qui suivent pas, je vous invite à regarder l'excellente production de Paul sur le sujet, si ce n'est pas déjà fait, vous trouverez le lien en description. Pas de panique Monique, c'est en français. Du coup, je vais survoler très rapidement la biographie du type. Deuxième sujet, la gigantesque bifle de Kojima dans la face à Konami. Si vous connaissez pas l'histoire et que vous aimez les mecs avec une volumétrie testiculaire ultra dilatée, sortez le popcorn car il nous a fait du sale le coco. Troisième thématique, le cas Konarmi, car comme le nom l'indique, la boîte est désormais infestée par une armée de connards, on fait le point. Bon, on enchaîne, car après, j'ai un date Tinder avec Mae Shiranui. Allez, Ikimasho. Ladies and gentlemen, please welcome our industry icon, Mr. Hideo Kojima. Dans notre histoire, la lumière, soit le Yang, est représentée par Hideo Kojima. Biographie rapide. Kojima-san est né le 24 août 1963 à Setagaya, préfecture de Tokyo. Maintenant qu'on en a fini avec la biographie, on enchaîne. Et on va pas tortiller du cul. L'homme que l'on nomme Kojima a été le pionnier qui a élevé le jeu vidéo comme un art cinématographique interactif. Le souci du détail étant extrême, il veut tout contrôler dans son moindre détail. Lui qui ne savait pas coder a commencé à apprendre avec Snatcher, sorti en 88 sur NEC PC 8801, afin de s'assurer qu'il pourrait retranscrire exactement ce qu'il avait en tête. Par exemple, vous vous souvenez du premier trailer de Death Stranding en 2016, la plage, recouverte de crabes et d'animaux clamsés? Kojima, ne se satisfaisant pas du rendu des crabes qu'il trouvait trop symétrique, il demande à un sous-fifre d'acheter un vrai crabe et va le scanner à 720 degrés pour obtenir le rendu souhaité. Ouais,
Même les crabes sont des acteurs chez CocoProd. Pour ce psychopathe de la création, le son, l'image et le gameplay sont bien sûr primordiaux. Mais là où s'arrêtent les autres créatifs, Kojima se chauffe à peine. La forme c'est bien, mais le fond c'est mieux. Les thèmes abordés, majoritairement philosophiques, politiques ou à minima profonds, ne vous sont pas imposés. Vous passez facilement à côté si vous n'y prêtez pas attention. Ce degré de finesse, la pertinence des thématiques traitées, additionné à la manière dont l'homme sait jouer avec votre crédulité, l'art et la manière qu'il a d'infuser des sentiments au plus profond de votre être, sont autant de traits qu'il a acquis avec son désir de faire carrière dans le cinéma. Mais puisqu'on parle vrai, je vais vous dire entre vous et moi pourquoi Hideo Kojima est un être humain hors norme. Certes, c'est un génie, mais il est l'incarnation de tout ce qui est fascinant dans la culture japonaise, notamment au travers du concept de dépassement de soi. Il est exigeant avec lui-même, mais aussi forcément avec ses collaborateurs comme tous les directeurs de projet, dont il saura tirer la substantifique moelle. Mais la différence avec les autres grands noms du jeu vidéo est que malgré la souffrance qu'induit la création de tels monuments, tous les travailleurs l'aiment chez Konami. Et ça, c'est fou. Comment est-ce qu'un homme aussi exigeant, même intransigeant, peut-il malgré tout être aimé ? Le youtubeur Yongye nous montre ici un message caché dans la bouse Metal Gear Survive destinée à Kojima bien après son départ de la société. Metal Gear, Kojima Production Forever. Si ça, c'est pas un bel hommage. Entré par dépit chez Konami à 23 ans, Kojima-san a vite réalisé que le potentiel du gaming média dépasserait à terme celui du cinéma, puisque l'immersion, faisant du joueur un acteur et non plus un spectateur, ajoute une toute autre dimension à l'expérience. Malgré des défauts flagrants dans ses jeux, cette recette élaborée, basée sur un équilibre d'arômes fragiles et complexes, cristallise toute la quintessence du potentiel vidéoludique. Et cela se traduit par l'accouchement de chefs-d'œuvre absolus. S'il y a une chose que les gens qui le connaissent pas retiennent en première impression à son sujet, c'est son extrême souplesse, un vrai gymnaste. En effet, le Lascar est au moins 10e dan dans l'art de s'auto-sucer. Regardez-moi un peu ça. Direction, Hideo Kojima. Scénario, Hideo Kojima. Game design, Hideo Kojima. Musique, Hideo Kojima. Animation, Hideo Kojima. Cascade, Hideo Kojima. Prise de catch, Kojima Hideo. Tiens, c'est un nouveau lui. Le mec s'affiche partout, tout le temps, et beaucoup disent qu'il a un melon interplanétaire. Mais pour moi, ces gens Kevin ont tout faux. Et j'en veux pour preuve que si vous écoutez n'importe quelle interview, le monsieur transpire l'humilité et l'équilibre. Alors, où est donc passée son arrogance ? De nombreux témoignages font état de sa condescendance avec certains membres de Konami, et c'est sûrement pas de la flûte. Cependant, on ne connaît pas les contextes. Et si vous travaillez dans des bureaux, vous savez que les entreprises sont en proie aux luttes de pouvoir intestines et aux coups bas motivés par l'ambition. Et des plans comme ça, il en a connu le Kojima. Sa stratégie de carrer son blaze partout n'a pas pour véhicule la flatterie de son ego. C'est juste qu'il a capté très tôt qu'en se promouvant de la sorte, il atteindrait une renommée qui lui permettrait au fur et à mesure de sa carrière de gratter ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est du pognon. Plein. Mais pas forcément pour sa pomme. Simplement pour aller toujours plus loin dans ses créations. Et c'est bien là que se trouve le point noir dans le yang. Mais pour étudier cela, revenons en arrière dans le temps. DJ. Le 31 mars 2011, suite à son palmarès impressionnant de blockbusters réalisé au profit de Konami, Kojima est appointé vice-président, afin qu'il puisse superviser l'entièreté des productions de l'entreprise et y insuffler son souci de la qualité. Cependant, un nouveau venu dans l'entreprise va renverser l'ordre établi. Hideki Hayakawa n'est pas rentré chez Konami pour l'amour et la tendresse. Il a les dents qui laissent de grosses tranchées dans le parquet. Comme Konami, le GUS a observé l'émergence de la plateforme japonaise pour téléphone mobile nommée Glee en 2007, avec 1 million d'utilisateurs, sentant que le business model n'en était qu'à ses balbutiements. Glee Inc., lancé en 2004, a basé toute sa communication sur la gratuité de ses jeux mobiles versus les jeux consoles hors de prix, surfant sur le modèle naissant des microtransactions. Hayakawa avait dès lors bien conscience que le taux d'équipement en téléphone mobile serait proche du 100%, ouvrant par là même les portes du plus grand marché du monde, et cela sans aucune contrainte d'adaptation sur différentes plateformes. Le 14 septembre 2010, Hayakawa produit Dragon Collection, un jeu mobile à base de microtransactions sur la dite plateforme Glee, qui se targue à ce moment de 20 millions d'utilisateurs. Avec un coût de moins d'un million de dollars, le jeu a coûté 3 grains de riz à produire et engrange du bif à la fourche. À tel point que Konami fait plus 80% en profit sur l'exercice 2011-2012 avec 9 millions d'utilisateurs sur Dragon Collection et Sengoku Collection. Autant dire que le Hayakawa fait claquer ses bretelles et grimpe les échelons vitesse grand V. Et cette réussite fout notre Kojima-san dans l'embarras.
D'ailleurs, les rumeurs de condescendance de Kojima concernent aussi Hayakawa, Kojima ne portant qu'assez peu d'intérêt pour le jeu mobile. En effet, MGS4 a coûté entre 50 et 70 millions de dollars pour 6 millions de copies vendues. MGS5 a coûté au minimum 80 millions avec le développement du Fox Engine que Konami espérait louer aux autres éditeurs à la manière d'un Unreal Engine. Cependant, l'éditeur japonais a dû se raviser au vu de sa complexité. Hideo, ayant déjà un studio sous sa direction aux États-Unis, en ouvre encore deux autres sur la côte ouest pour les besoins de Metal Gear 5. Kojima dépense sans compter les précieux millions de Kagemasa Kozuki. Qui ? Kagemasa Kozuki. Ah, tu connais pas ? C'est un peu le Monsieur Burns japonais. Né en 1940, il a fondé Konami le 21 mars 1969. Le mec déteste Kojima. Il ne supporte pas de le voir dépenser ses précieux millions sans se soucier du retour sur investissement. Kozuki, en retrait des opérations à son âge avancé, n'a pas calculé l'ascension de Kojima dans la hiérarchie. Et il se rend compte désormais qu'en marquant son territoire avec le nom de Kojima dans toutes ses productions, tel un chien pissant sur son trottoir, Hideo lui a volé petit à petit la renommée de sa société. Mais Kozuki se frotte les paluches. Il a trouvé son Smithers en la personne de Hayakawa. Le vieux a une vision étriquée du business dont la pendule s'est arrêtée au 18e siècle. Il s'y connaît autant en jeux vidéo que Jean Castex s'y connaît en crédibilité. Tout ce qu'il voit, c'est le bif. Il est vrai cependant que le contraste est violent entre le type qui fait des jeux qui coûtent 3 poils plus bien et qui rapportent 100 patates, et le mec qui fait des jeux à 100 patates et qui rapporte 3 poils plus bien. Ça, c'est indéniable. Le 31 octobre 2013, Kojima est rétrogradé de sa place de vice-président à celle de Senior Corporate Officer. Une scission violente se produit entre Kojima et les dirigeants, générant de nombreux conflits en interne. Ces derniers, bien décidés à brider les projets pharaoniques en cours du créateur, notamment celui de Silent Hills, que le président de Konami Digital Entertainment, Tomoyuki Tsuboi, lui avait demandé lui-même de chapeauter en 2012. Kojima, excité par l'idée, s'était empressé de s'atteler les services du réalisateur de films d'horreur Guillermo del Toro et de l'acteur vedette Norman Reedus. Des embauches qui allaient encore coûter la peau du cul et que Konami n'était plus décidé à financer. Qu'il soit destitué passe encore, mais qu'on revienne sur ce à quoi Kojima s'est engagé face à des tiers, là ça passe plus du tout. D'autant plus quand c'est des gens qu'il apprécie. Alors que ses équipes bossaient déjà sur Silent Hills, il se sent pris pour un con. Kojima a la rage, il a la bave aux lèvres tel un Diamond Dog. Le 3 juillet 2014, Hideki Hayakawa devient vice-président de Konami. Un mois plus tard, il déclarera, je cite, « On va doubler la mise sur les jeux mobiles, le téléphone va devenir notre plateforme de développement principale. » Quel putain de susboum, ce Smithers. Une ère s'achève prématurément, et une nouvelle prend place. Mais c'était bien naïf de croire que Kojima allait se laisser enfiler comme ça sans rien dire. Le temps des représailles avait sonné. En mars 2013, Tomohiro Uesugi devient le nouveau président de Konami Digital Entertainment. Son profil est le parfait exemple de la nouvelle direction de la société. Le type ayant travaillé comme cadre financier chez KPMG et Sumitomo Bank, il n'a pas le moindre début d'idée de qui pourrait bien être fucking Simon Belmont. En fait, ça l'intéresse même pas. Kojima commence à travailler avec Del Toro sur Silent Hills dans les mois qui suivent, tout en poursuivant le travail sur le Fox Engine et Metal Gear 5, jusqu'à sa destitution du poste de vice-président du groupe le 31 octobre 2013. Silent Hills étant sûrement probablement au centre de la discorde, de nombreuses rumeurs disent que Pity était originalement prévu pour sortir à ce moment-là. Présentement, il ne lui reste que 2 ans de contrat, son contrat actuel prenant fin en décembre 2015. Il met alors un point d'honneur à terminer ce qu'il a entrepris. Il a parfaitement conscience que sa réputation dans l'industrie en dépend, et qu'elle serait à jamais ternie s'il laissait tout en plan. À son âge, il a gagné assez d'argent, il pourrait se ranger, mais Kojima a toujours faim. Alors qu'on lui coupe son budget sur Silent Hills, il sait qu'il ne peut plus réaliser ce qu'il a prévu. Il contemple le travail effectué par son équipe et décide de lui donner une nouvelle orientation. En mars 2014, Metal Gear 5 Ground Zeroes, une sorte de teaser très court de MGS 5, arrive sur le marché au prix de 30€ pour permettre à Konami de rentrer un peu de cash suite à des années de dépenses. Cela créera un mini-scandale, les joueurs n'appréciant pas de payer une démo 30€, sans que ces 10 joueurs ne prennent jamais en considération que la course technologique due à la demande du public pour des jeux toujours plus beaux ait forcément des conséquences financières pour les éditeurs. Il se vendra quand même 1 million de copies sur tout le mois de mars. Alors que Hayakawa devient vice-président à la place de Kojima en juillet 2014, la structure évolue et verticalise le pouvoir, ce qui le concentre dans les mains du top management, excluant les créatifs. Les conditions de travail se dégradent, les employés sont de plus en plus surveillés et pressurisés. Le journaliste Joël Couture
dans son livre Pity Video Game Ghost Story, condense les témoignages d'anciens employés de Konami. Il nous explique que la société va s'opposer à une annonce de Silent Hills pour des raisons officiellement contractuelles. Mais Kojima profite de la Gamescom du 13 août 2014 pour annoncer la mise en ligne de la démo de Silent Hills Pity pour Playable Teaser, alors qu'il n'y était pas autorisé par la firme. La démo ne mentionne nulle part Silent Hills, ni même Konami, puisque développée par 7780 Studio. Mais tout le monde s'en battra les couilles, habitué aux pérégrinations farfelues de Kojima, telles que le coup du Moby Dick Studio pour l'annonce de Phantom Pain, où il avait même porté un masque pour se faire passer pour le directeur d'une société qui n'existe pas du tout comme Studio 7780. Les journalistes s'émerveillent devant l'expérience encore une fois complètement cryptique et innovante de ce playable teaser, que je vous diffuse maintenant, sous vos yeux émerveillés en même temps que je vous parle. Cette version originale ayant été présentée au Tokyo Game Show de septembre 2014, soit plus d'un mois après la mise à disponibilité du playable teaser tel qu'on l'a connu sur le PSN. Guillermo del Toro déclarera que le Pity actuel n'a absolument rien à voir avec l'ancienne version conçue avec lui mi-2013, lors d'une vidéo YouTube faite par l'intéressé. Alors que l'annonce inattendue de la mise à disposition de Pity sur le PlayStation Store arrive aux oreilles décollées de Konami, Kojima sera désormais mis à l'écart de son équipe travaillant sur Metal Gear 5, reclus depuis un bureau isolé. Toutes ces actions seront désormais préalablement scrutées et approuvées ou pas par le management. Mais Kojima ricane intérieurement. Il sait qu'il a collé à Konami la plus grosse disquette de l'histoire du jeu vidéo, sans qu'aucun de ses dirigeants, complètement déconnectés du monde du gaming, ne puisse rien calculer. Avant d'en venir aux faits, il me faut expliquer trois dernières choses. Itox. Il faut savoir que forcément, tous les employés de Konami sont liés contractuellement et ne peuvent utiliser les ressources de la société à des fins personnelles, ni évidemment se permettre de critiquer l'entreprise sous peine de rupture de contrat et de poursuite. Futats. Tout ce que je vais vous présenter ne sont pas des faits, mais uniquement des interprétations. Pour vraiment vous faire votre opinion de la crédibilité de ce que je vais avancer, je vous demanderai d'écouter attentivement ce que j'ai à dire jusqu'au bout, car je garde les arguments coup de poing pour le final. Myths. Il me faut résumer en quelques mots le scénario de Pity, pour maximiser votre compréhension. Alors ok, j'entends déjà les mecs crier au spoiler. Bon, pour ceux qui détestent le spoiler et qui n'ont pas fait Pity, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes. Attention, Hajime. Playable Teaser nous relate l'histoire d'un père de deux enfants qui, brisé par la société, devient alcoolique suite à la perte de son job. Sa femme Lisa doit alors travailler à mi-temps comme caissière dans une épicerie. Son patron ne l'a embauchée que parce qu'elle a un joli derrière. À un moment donné, Lisa tombe enceinte d'un troisième. Enceinte de qui, on ne sait pas. Le père, obsédé par un chiffre mystérieux répété en boucle à la radio, 204-863, finit par tuer toute la famille, se donnant la mort par la suite. C'est bon les mecs, vous pouvez ouvrir les yeux et vous déboucher les oreilles. Maintenant, regardons ensemble cet extrait du jeu. Je vais vous demander de considérer que papa est en fait Konami. Dad was such a drag. Every day he'd eat the same kind of food, dress the same, sit in front of the same kind of games. Yeah, he was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. He couldn't even be original about the way he did it. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back, and I'm bringing my new toys with me. Continuons. Le passage suivant évoque l'état d'esprit de Kojima face à sa situation chez Konami. Sa décision de partir, alors qu'on lui demande de faire des choses qui ne le représentent pas en tant que créatif, comme l'inclusion de microtransactions dans MGS5. Partir de la société, c'est quitter cet enfer pour revenir dans la réalité et redevenir soi-même. I walked. I could do nothing but walk. And then, I saw me, walking in front of myself. But, it wasn't really me. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? À un moment donné, la radio diffuse un message dans une langue extraterrestre qui s'avère être du suédois. Bon, je vous avoue que pour moi c'est quasiment la même chose. Et si ça se trouve dans Star Wars, les aliens parlaient juste tous suédois et j'avais rien capté. We have powerful friends. You're gonna regret this. Il s'agit ici d'un message qui s'adresse directement aux employés de Kojima Productions pour les exhorter à quitter la société Konami. Oh,
sont peut-être les antidotes d'ailleurs. Tu n'as qu'il n'y a pas de l'âge. Non, pas fait du tout. Tu calmes, Bella. Dites-lui, d'une frantise, que nous sommes là, ce que je devais à me protéger. Donc, dans le drama de vous, je suis femme, ou c'est la mort, ça nous. Donc, elle a pour vous, ou dans l'heure de l'occasion au ciel, Lita est pour nous. Lita est pour nous. Tomer les dents contrôlées à leur enfant. Så har det varit i 75 år nu. Endast vår mästare kan hålla honom. Du har en rätt. En rätt att bli en av oss. Så välkommen till vår värld. Mycket snart öppnas portarna till en ny dimension. 2048 63. L'émission de radio en question, The War of the Worlds, diffusée en 1938, est celle d'Orson Welles, un réalisateur de films qui a fait croire à son public à une invasion extraterrestre en direct, à l'aide de flash infos spéciaux, interrompant son émission, faisant part des nouvelles de l'invasion. A l'époque, beaucoup de gens écoutant l'émission y ont cru, alors qu'il s'agissait évidemment d'un canular. Kojima se sert de cet élément scénaristique pour son jeu en disant que les événements de l'époque étaient en fait vrais, que l'invasion a eu lieu et que les extraterrestres sont désormais parmi nous. Un être non identifié s'adresse au héros via la radio. Tout ceci ne sert aucunement son double message. Ici, je vous décrypte juste le scénario. Mais tout ça sert aussi à noyer le poisson. La clé de la double lecture vous est servie ici sur un plateau à plusieurs reprises. 204863, 204863, n'est autre que la date de naissance de Kojima, avec un chiffre inversé pour éviter d'être pris en flag. Je vous l'ai déjà dit dans ma biographie extrêmement détaillée de Kojima dans le premier chapitre de cette vidéo, il est né le 24 août 1963, 24-08-63. Dans ce putain de jeu, sa date de naissance est répétée en boucle à l'infini. Comment ne pas en déduire que c'est, encore une fois, une œuvre biographique comme Metal Gear qui décrit sa relation avec son père. Sa date de naissance répétée en boucle est la clé qui épouse la serrure du dialogue de son départ et du message en suédois aux employés. Vous n'y croyez toujours pas? Eh bien, j'ai un dernier biscuit pour vous. Ici, considérez que le fœtus dans le lavabo n'est autre que le projet Silent Hills, tué dans l'œuf par le père, c'est-à-dire Konami, et que Lisa est le Fox Engine dont les dirigeants ne comprenaient que l'excellent rendu graphique. You got fired, so you drowned your sorrows in booze. She had to get a part-time job working a grocery store cash register. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back. Écoute-moi bien, public. Quand Pity devient dispo le 12 août 2014 sur le PSN, soit un jour avant la Gamescom, sans que personne ne soit au courant, cela fait exactement 10 mois que Kojima a été destitué de sa fonction de vice-président au 31 août 2013. Exactement 10 mois. J'espère qu'au moins que ce dernier élément à charge remet tout le monde d'accord. Passons désormais du côté obscur de cette vidéo avec le Yin Konami. Vous le savez sûrement, le troll pour moi, c'est un peu comme le miel pour Winnie l'ourson. On finit toujours par me prendre la main en plein dans le bocal. Mais vous pensiez quoi? Que j'allais troller Konami? Impossible les mecs. Alors ok, ce sont de gros bâtards qui n'ont de respect ni pour leurs employés ni pour leurs clients. Les mecs vendraient leur grand-mère sur le bon coin pour un billet de 5. C'est pas pour rien si Kojima et Shinkawa sont tellement fâchés qu'ils refusent d'autographier tout produit Konami. Cependant, on parle quand même en ce qui me concerne d'un des 5 éditeurs les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo. Qui peut se targuer d'avoir été autant créatif, d'avoir eu la crème des codeurs, designers, musiciens, comme ça a été le cas pour Old School Konami. Je n'ai que de l'amour et du respect pour ce monument. Aucun enculé corporatiste sur cette planète ne pourra jamais entacher ça, même avec son bac plus 12 en fils de puterie microtransactionnel. Avec des licences légendaires telles que Gradius, Contra, Suikoden, Castlevania, Twinbee, Goemon, Violent Storm, Vandalurt, Vendetta, Metamorph, X-Force, ZXX, Mystic Warriors, Green Beret, Parodius, Rocket Knight, Ninja Turtles, The Nerf, The Enders... Si j'avais encore du souffle, je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Mais bon, tout cet héritage inestimable est le dernier point lumineux dans le tableau noirci du Yin Konami. Pour ceux qui se demandent ce que signifie Konami, le nom représente un subtil message de paix et d'amour. Non, je déconne, ils en avaient rien à foutre. C'est un acronyme qui représente la première syllabe du nom des trois pères fondateurs, Kozuki, Nakama, Miyasako. Créée en 1969 comme une entreprise de location-réparation de jukebox, la boîte se recentre sur l'activité prometteuse du jeu vidéo avec une première release arcade en 1969.
78, ayant Sega comme distributeur principal. Leur premier hit s'appellera Frogger. Ah, qu'il est loin le temps où les êtres humains avaient encore des principes. Mais revenons plutôt sur ceux qui n'en ont pas, les Konami lyonnais invertébrés. En 2015, le Nihon Kenzai Shinbun, communément appelé Nikkei, révèle les conditions de travail orwelliennes de la société. Mais, wait, attendez! 2015, ça correspond au départ de Kojima, ça. Bref, harcèlement, pression, menaces, création d'une police de surveillance interne, caméras de surveillance, pistage des déplacements, surveillance sur les réseaux sociaux, chronométrage des temps de pause, affichage des contrevenants en public, transfert des éléments les moins bons du studio en tant qu'ouvrier spécialisé, agent de sécurité et pire, agent d'entretien. Peu importe ton âge ou ton expérience, si tu sers à rien, va donc récurer les chiottes, connard. Un mec s'est même fait virer car il avait liké un post sur Facebook où un collègue annonçait son départ. Y a pas à dire. Les attractions sont nombreuses chez Konami. C'est un peu un Disneyland, mais en mode camp de concentration. Les dirigeants ont également voulu se débarrasser de l'équipe de Kojima Productions renommée Unit 8, considérée comme des traîtres et en vérité trop chère, car trop pointue par rapport aux besoins du réalignement de l'activité sur le smartphone. Pour ça, ils utiliseront les mêmes méthodes de fête foraine que citées précédemment, mais sous stéroïdes, genre internet limité à l'intranet, badge d'accès au bureau régulièrement désactivé pour bien t'emmerder, déménagement des postes de travail quasi hebdomadaires, et bien sûr, si tu atteins pas tes objectifs, on t'engueule comme un sourd. De plus, Konami prendra le soin de prévenir tous les grands acteurs de l'industrie de ne pas embaucher ses démissionnaires en peignant un portrait des plus négatifs afin qu'ils ne puissent pas retrouver de travail. C'est joyeux. Le message en suédois dans Pity prend encore plus son sens. Pas étonnant que Konami ait effacé toute mention de Kojima dans tous leurs médias en 2015, tellement Kozuki l'avait dans le pif. Mais vous savez quoi? L'affaire va encore plus loin. La haine entre le yin et le yang étant viscérale. D'après un article de Kotaku basé lui-même sur un article du Nikkei, le 18 septembre 2016, Kojima répond à une question sur Metal Gear Survive lors d'un salon organisé par Sony durant le Tokyo Game Show 2016, faisant part du fait qu'il ne sait rien du jeu car il n'a pas été impliqué dans le projet, et que pour lui, Metal Gear étant un jeu d'espionnage sur fond politique, il ne voit pas ce que viennent foutre des zombies là-dedans, déclenchant par là même l'hilarité du public. Suite à ces commentaires, Kojima recevra une lettre lui faisant part du fait qu'il souille l'image de Konami par ses commentaires injustes. À la défense de Konami, il est vrai qu'il n'est pas usuel pour un ancien employé de parler de son ex-société ou sur ses produits au Japon. Mais de cette lettre à la tournure anodine, suivra l'enfer. Car lorsque Kojima Productions version indépendante ouvrira ses portes, ayant embauché de nombreux transfuges de Konami, Kojima n'arrivera pas à souscrire, au bénéfice de ses nouveaux employés, à la Kanto IT Software Health Insurance Association, qui est la mutuelle de santé pour les professionnels des nouvelles technologies. Une mutuelle ayant plus de 7000 sociétés clientes dans sa base de données. Voyant sa souscription sans cesse rejetée, Kojima ne comprend pas car tout est en règle. Il y a fort à parier que Konami étant un géant de l'industrie et un client de poids pour cette mutuelle, ait fait pression. Après, c'est de bonne guerre, vu que tout le monde y est allé de son petit coup en dessous de la ceinture. Personne, que ce soit Konami, Kojima et la mutuelle, n'ont voulu commenter la situation. Mais quand même, quelle histoire! Ça, c'est du drama, pas vrai, public? Alors, si on synthétise, d'un côté on a le yin, une machine insensible qui ne fonctionne que pour réaliser son but premier, c'est-à-dire un profit maximal, peu importe les dommages collatéraux humains. Mais cette société n'a pas toujours été ainsi, et pendant des décennies, elle a materné et développé un nombre incroyable de talents. Qui sait, peut-être que le vent tournera encore pour Konami. De l'autre, on a le yang, un être humain passionné, un créatif, qui se contrefout du pognon au point que cela en devienne problématique pour son employeur, mais qui, une fois viré, repart de zéro avec Yoji Shinkawa, qui lui aussi a démissionné tellement il croit en son ami. Puis, ce même être humain embauche ses anciens collègues de Konami et dès qu'il en a les moyens, réembarque les potes Del Toro et Reedus pour lesquels il n'a pas su tenir sa parole sur le projet Silent Hills, prouvant par là même que la valeur d'un homme se mesure à sa faculté à tenir sa parole. Et c'est pour cette raison qu'en plus d'être un génie de la création, Kojima est un grand être humain. On pourrait en parler des heures. Mais il faut que je vous laisse, je file à mon rencard. J'en connais un qui va encore tringler ce soir. The night, what a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a feeling.